حافظ السامية للأمازيغية سلاج معصاد للصعود إلى المنصة فليتفضل مشكورين. إذن لقاؤنا اليوم هي مناسبة لتجديد اتفاقية الشراكة المبرمة مع المحافظة السامية للأمازيغية من أجل توطيد العلاقات القائمة بين المؤسستين، كما نغتنم هذا اللقاء للإعلان الرسمي عن افتتاح كل من قسم الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وكذا مخبر البحث للغة الأمازيغية التابعين لكلية الآداب واللغات، وهذا ما سيساهم في تطوير وتعزيز اللغة الأمازيغية. تمديدت نوسا في لذاك نذيدي وستني نومتاو قالت سداوي ثنبقايث وك ذو سقامو اونيك نتي مزغا اما كان داغ نذيدي ثوليا فونصيف نيون لابوغاتوار ذو نذيدي نتمازيغ تداقيدي سداوي ثنغ تمديدي تاداغن اتيلي ثقنيت ايثوليا سوودم اونصيف نتساقا نتسوقيلت داقيدي سداوي ثنغ اندا اتكشم تمازيغ ايثيكل تمزواروث غف غفوسويل اغناو. بادئ ببدء أحيل الكلمة لسيد مدير الجامعة فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمة افتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد المحترم أخي سي الهاشمي عصاد أمين عام المحافظة السامية للأمازيغية، السادة الضيوف الكرام المرافقين للأمين العام السيد أمين عام جامعة عبد الرحمن ميرا، السادة نواب مدير الجامعة، السادة عمداء الكليات وعلى رأسهم عميد كلية الآداب واللغات، أبناء الطلبة، السادة الضيوف منهم الصحافة المرئية المكتوبة والمسموعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis très heureux aujourd'hui de participer dans cet événement à la signature de la convention cadre de coopération entre l'Université de Béjaïa et le Haut Commissariat à la Mazighité. Cette convention permettra de renforcer les liens de partenariat entre les départements de langue et culture amazigh et le nouveau département de traduction et d'interprétariat. Nous sommes sûrs que cette instance, qui a toujours pris part aux projets linguistiques et culturels dans le domaine amazigh de l'université, sera d'un grand apport pour l'avancée et l'accompagnement de la recherche en langue amazigh. Nous tenons, par ailleurs, à annoncer que cette année, notre établissement lance la première promotion de formation en traduction et interprétariat en langue tamazigh vers l'arabe, tamazigh vers le français et tamazigh arabe et français à la fois. Donc, 83 étudiants ont été inscrits au sein de ce nouveau département avec une moyenne minimale d'accès de 12,48. Notons ainsi la qualité des objectifs attendus de cette formation. Ces étudiants seront encadrés, bien entendu, par des professeurs issus de différentes spécialités, traduction, langue amazigh et langue arabe. Je tiens également à annoncer l'aboutissement du dossier de création du laboratoire des études amazigh, LEA. Ce laboratoire, en plus du centre de recherche, va accompagner les enseignants-chercheurs et les doctorants de l'Université de Béjaïa dans la réalisation
de leurs projets de recherche dans les différents domaines de langue et culture amazighes. Permettez-moi, tout en remerciant le directeur du Centre de recherche en langue amazighe ici présent, professeur Mustapha Tidjet, qui a accompagné cette faculté, ce département depuis longtemps, même dans l'accompagnement pour mettre sur pied cette formation en traduction dans les trois langues à partir de la langue amazighe. Il va aussi aider à faire avancer plusieurs questions d'actualité liées au monde amazighe. L'université, de son côté, s'engage à mettre tous les moyens matériels et humains pour assurer une formation de qualité aux étudiants, aux doctorants inscrits dans ces deux départements, département de Tamazight et département de traduction. Je tiens ici, en dernier lieu, à remercier toute l'équipe de la Faculté des Lettres et des Langues pour le travail accompli et pour le challenge relevé à chaque fois que c'est nécessaire. Fil-Akhir, je saute du coq à l'âne en matière de langue, je m'excuse, mais Fil-Akhir, nous sommes dans le début de l'année. Nous avons terminé une année pratiquement, je dirais, entre guillemets en beauté. J'espère que cette année aussi verra une année voilà, qui sera accompagnée pratiquement par beaucoup de réussite pour l'Université de Béjaïa et qui sera une année de sérénité, de calme, pour terminer l'année comme il a été fait pendant l'année 2021-2022 et tout en souhaitant كل الاستقرار كل الأمن كل الاستمرارية في كل ما نهجته هذه الدولة في كنف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عاشت الجزائر حرة مستقلة آمنة المجد والخلد شهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد مدير الجامعة على هذه الكلمة والآن أحيل الكلمة للسيد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أزول في اللون أزول سجول سيد رئيس جامعة عبد الرحمن ميرا، شكرا على هذه الاستضافة. ماسي مضبر نسلاويتنا عبد الرحمن ميرا تنميرث إمي تمقرض أسقموني هنتي مزغان ذاكي ذي زقان نسلاويت عبد الرحمن ميرا. Monsieur le secrétaire général de l'Université de Béjaïa, mesdames et messieurs les vice-recteurs, les doyens, les vice-doyens, monsieur le directeur du Centre national de recherche en langue et culture amazighe, monsieur Tidjet, mesdames et messieurs les chefs de département, chers collègues, enseignants, mesdames et messieurs les membres du jury du prix du président de la République de la langue et de la culture amazighe. C'est vous chouet, nous sommes ici ce matin, ici le matin, ici le matin, à Zul Damkran, à l'aouen. Il y a 3 points, 3 points, في ما يخص هذا اللقاء, أهمية هذا اللقاء. تنقيت مزوروث سيدي نيغ نفرحة طاسة طاس إميد نرزان إثي كلت النظام أردقير سداويث نرقيث إيوشو خطر نخدم مثوى في 2014 دوك منذ 2014 كان جيس لقاء تشاوري تنسيق بين المحافظة السامية الأمازيغة وجامعة عبد الرحمن ميرا. Cette passerelle a permis, donc nous a permis de concrétiser beaucoup de projets. Il y a d'abord la conclusion, le bilan, oui, 8 ans après, et je suis en train de dire que Khatawat Melmoussa fait Mayajal, Tarkiyat Loral Amazirien. À Zouarakan, Zik Nsoualim, Yeliouen, dit Hanachtis, Yeliouen, il y a des mouhdes, il y a des départements de langue et culture amazir,
ذي فقيت الله ذي بتنان الله ذي تمرست الله ذي بويرام الله ولكن سيريل معونا سستيكليه جنوس قاموني جنتي مزغان خدم اون سينرجي دونك الا كنحفظ نخدم مكان وقيدي بوين الفايده وين كانت وليت ورا 2022 السنه مرة غطاس المجهود نسداويت نفقيت يدي تاوين تيختيوين تيمينوثين إوا كنا تسنرني ما تشفتيتو ثلاثة مزيخ يعني بالملموس واش جسدنا كمشاريع في مجال ترقية اللغة الأمازيغة الأمازيغية فيما يخص ترقيتها تعميمها توسيعها بفضل مجهودات جامعة بجاية أساتذة اللغة الأمازيغة اللي راهم في الولايات أصلا تخرجوا من جامعة بجاية مشاريع تأطير تاع أنشطة علمية تاع المحافظة السامية الأمازيغية إسهام بارز تاع أساتذة جامعة عبد الرحمن ميرا ترجمات باش نريح في مجال الترجمة وهذا هضر يوقي سكرين 83 ناقي وسكو ساقي ترجمة ياقي سوازالي سطاس أحريشة قين سقيلت إلا قسنف كفوذ أسنف ك أو نفكي غير معونا عندو يذون خاطر وقيلة في ديك السفوغون ما إلا نخدم في قنطرة هي مسلايين لا تغام هي سناف مسلايين إلا في مورثاكين تسلاي تعرف تمازيغ هكاث دوك التيمات دوك سنفاراكين سنمرا مليح مليح ويذيا ثبن فيك ثياكين خاطر تساكين غيك سنفرك قال لا غن الغاشي نحملوك شي مسلايين ثمازيغ ارث مسلايين نظن سيت مسلايين نظن ارثو ثلاث انت مازيغ دونك واقي غادي يفتح غادي نجار افريد النظن عند الساسة مزوارو انسنا نيتو ثلاث انت مازيغ ونصوض شيط نوغي الروج انتو ثلاث انت مازيغ ارثو ثلاثين النظن نخدم يعني قاموني انتي مزغا المحافظة السامية الامازيغ خذات عديد من المبادرات فيما يخص ترجمة كنا ننظمو كل اخر سنة ورشات الترجمة في إحدى ولايات الجنوب علاه باسكو شفنا كاين طلب فيما يخص الترجمة يعني ما روائع الأدب الجزائري باللغة العربية قال أديب كبير مشهور يقول يا إذا أمكن تعاونونا باش نترجم الكتاب تاعي للغة الأمازيغية هذه حاجة رائعة شكون اللي دارها؟ دارها من المحافظة ولكن مع كفاءات جامعية تاع بجاية وتاع جامعات أخرى دونك هذه باش نقول برك ما هي آفاق تاع فتح قسم تاع الترجمة في الجامعة هذا بالنسبة للطلب أيضا المحافظة السامية الأمازيغية دارت أيضا مجهود فيما يخص ترجمة النصوص المؤسسة للدولة الجزائرية لي تكست فوندامونتو دو ليتا ا كومونسي بار لا كونستيتيسيون دو 2016 مي اوسي لا كونستيتيسيون دو نوفمبر 2020 اون فيرسيون امازيغ مي لا ترادكسيون سي با لافير دون بيرسون C'est un travail d'équipe. Donc on a mis cette tradition autour de beaucoup de projets au niveau du HA pour traduire, mais traduire bien et traduire aussi dans la concertation. Je cite aussi un autre exemple, l'exemple d'un projet porteur, un projet de l'exégèse en tamazir. Tarjamat Ma'ani al-Qur'an, qui est un projet des institutions de l'État. C'est vrai qu'il y a une traduction ou deux d'auteurs qu'on salue parce que c'est une initiative personnelle, mais le projet, il est au niveau de deux institutions, c'est le Haut Commissariat de la Mazirité et le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Projet où une équipe de traducteurs, de linguistes, dans toutes les variantes de la langue mazir. Man Soukhol, il a Qadilien. Wenisnan Toutleithent Mazir, Stentalet Chawith. ستنتلت قبيليس ستنتلت ترقيس الحمد لله ثورة الله دونك وقيخ مسقموني انتي مزغان جماعة اكو ثواشولت بوذي في الحن وحريشة قمون قار ثسوقلت ثسوقلت سام أزال أمقران قوهيل ونصيف مسقموني انتي مزغان شاكاني نو كونساكران ان بجي مي اوسي ديز اكتيفيتي اوتور دو لا ترادكسيون سا سي ان مساج بور نوز اتيديون دونك لي اكتيفيتي دو HA اوتور دو لا ترادكسيون vous êtes dedans. Manière de vous dire, on vous ouvre cette perspective, c'est grâce aussi à cette convention. Tout le monde a bilan. Le bilan depuis la signature de la convention HA Université de Bjaïa. Donc j'ai commencé par dire qu'il est important de travailler en synergie, de travailler, mais autour des projets structurants.
l'ouverture d'un centre national de recherche en langue et culture amazigh, donc je parle sous le contrôle de Mastijet, c'est aussi grâce à cet accompagnement des institutions de l'État, dont le HA. Un texte, donc un décret exécutif, c'est une réflexion, mais surtout ce travail de sensibilisation d'une institution qui relève de la présidence, qui a fait aussi, qui a accompagné ce projet. Donc le centre, alhamdoulilah, ça fait 40 ans, il est opérationnel, il y a une dynamique ici à Bjaïa, à l'université, mais aussi au niveau de ce centre, parce que ce centre, c'est un centre national de recherche. Je salue cette initiative parce qu'elle va effectivement apporter la valeur ajoutée, mais aussi parce qu'il faut relancer ces projets de labo. On a un autre labo à Tizi Ouzou, un autre labo à Bouira, mais moi je pense que ça guide un peu de la dynamique qui est créée grâce à cette collaboration, à cette coopération exemplaire entre le Haut-Commissariat à la Mazirité et l'Université de Béjaïa. Le bilan aussi, c'est grâce à cette collaboration que cette salle, belle salle, a abrité en 2016, au mois de mars, un colloque de haute facture sur le dictionnaire monolingue, un colloque international sur le dictionnaire monolingue Amazir-Amazir, qui est donc, les actes sont là, mais les recommandations de ce colloque des perspectives. C'est une feuille de route pour nous. Donc on est sur cette feuille de route qui dit qu'il faut encourager l'édition spécialisée de dictionnaires, dictionnaires thématiques, dictionnaires aussi dans toutes les variantes de la langue amazigh. À l'actif du HA, donc on a mis l'effort aussi sur ce registre qui est l'édition, on a édité une vingtaine de lexiques. Les lexiques, il aurait le temps de les mettre à la disposition, bien sûr, faire l'effort de distribuer, mais de les numériser, finalement, pour faire dans le partage. Ils sont à la disposition de nos étudiants, de nos chercheurs. C'est aussi l'outil de travail pour nos étudiants. Quand je dis l'effort de l'édition, un dictionnaire, un grand dictionnaire, je rends hommage à Missenton Fgeith, Mess Idriss Abdel Hafiz, un grand dictionnaire, c'est de Wiss, tu fais un chute pour un bachat khadem. Un tiens, le Hamas en Nippoul, il khadmith. Mais une souffrastide, Nernan Khadman, la compagnie Monia, donc autant de documents, de dictionnaires, ils sont à la disposition de nos étudiants. Tu aurais la perspective par rapport à Inch'Allah, dès la signature de cette convention, c'est de renforcer cet échange, notamment sur l'accès guide documentaire, l'échange documentaire. Je le constate, et on a fait l'effort, on a frappé à la porte de tous les responsables des universités. Il a fait ça, et je le dis, parce que c'est d'être, au niveau du HA, peut-être le pôle d'attraction de tout ce qui est thèse, mémoire sur la mazirité. On peut récupérer toutes les thèses soutenues au niveau de toutes les universités d'Algérie, pas seulement au niveau des 5 DLCA. Nous, on s'engage à faire dans la duplication et de les diffuser. Il a quand même l'objectif. C'est la perspective. FISNEF, c'est d'encadrer nos étudiants-chercheurs. Il y a un dispositif, il est à la disposition des universités. Le HA a mis un budget qui s'appelle consulting. Parce que c'est ça les dispositifs de l'État. Quand je dis le HA, c'est l'État. C'est la présidence de la République qui a dégagé un budget pour accompagner nos chercheurs universitaires. Donc un budget dégagé, mais c'est un contrat pour faire un travail à la demande du HA sur une problématique précise. Je le dis même pour nos étudiants. Tous les thèmes sont, on est preneur. Donc, c'est un domaine réglementé. Un contrat, mais pour un résultat. Qui nous ouvre justement, parce qu'il faut le cadre de la signature. La demande de la traduction.
Depuis que Tamazight nation, elle est dans la constitution, la reconnaissance constitutionnelle de Tamazight. Tamazight, langue nationale et officielle, c'est un processus. Alors, avec ça, il y a le l'ensaz. Et une question qui est la meilleure, il y aura les frontons des édifices publics. Le douane de l'Oral Amazigh est fait le marfaq l'an. Donc, je veux dire, mais je veux dire, je veux dire, معناه ما كاش تردد فيما يخص توظيف اللغه الامازيغيه في المحيط مي اون اون تران دو لو فير مي سير زاف تنخدم الواحد لكن تقارن ذا كينا ذيف جيت ترادوير مي اوسي ترانسكريير دون لي نورم اي لو اشا مي على ديسبوزيسيون ان بتي غلوسير دو فرونتون دي ايديفيس دو لي انستيتيسيون دو ليتا بور لي جينيراليزي مي اوسي بور aussi l'intérêt les erreurs. Pardon. Donc la traduction, c'est la demande. Nerd, il y a une demande par rapport à l'HA et BAB extra-poénisme. Il y a une demande chaque jour sur ce registre qui s'appelle la traduction vers Tamazight. Au HA, on a mis un dispositif, un téléphone vert, le 1066. Des institutions sewellented. Mais d'abik, tarjmli hadil, alhamdoulilah, on fait face. Le HA prend en charge la demande de traduction d'Algérie Post. Tout ce qui est document philatélique, il est en langue nationale officielle arabe, mais aussi en tamazight. C'est une grande avancée. Depuis 2017, sur beaucoup de documents, avant-hier même, avant-hier, c'est une décision d'une circulaire du ministère du Travail et de la... Donc pour généraliser, utiliser, mais aussi écrire sur les frontons, sur les documents en tamazight. On a pris en charge tout ce volume de travail, mais tout alhamdoulilah, avec vous, ça je le dis pour rassurer nos étudiants, c'est des perspectives d'embauche. À l'avenir, Inch'Allah, il y a des années de fond. Après, on a fait un de sensibilisation en direction des institutions législatives, la PN, le Sénat. Il y a eu une rencontre entre le Haut Commissariat à la Mazirité, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale populaire, pour dire qu'il est temps aussi d'instaurer cette tradition de traduction simultanée. Un député, un élu du peuple, il fait son plaidoyer au niveau de l'APN, en tergui. Temachit. La solution, c'est la technique. Donc, tout ça, je le dis pour dire, alhamdoulilah, nous savons que nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, un département pour 83 étudiants. Nous sommes ici, Inch'Allah, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, وكنا نبدو نسيتو راه على القديش وكيد افري ديك سوفورون اول تاكارا دينيغ ذا وال اوسيرم ذا وال عندهم قرض ستانتلا تومزاف في دينيغ الا كما ثنا نوح عبد الله قرض ذا سام بارش ذا سا زعيم وثنمير يعطيكم الصحة. تنمير في ماس سلاش محصاد وكذا البروفيسور بن يعيش عبد الكريم فولي إيغرزن. والآن ننتقل إلى تجديد إبرام الاتفاقية التعاون بين ممثلي المؤسستين والتي ستبرم لمدة سنتين.